par les sentiers de la montagne enneigée, ils étaient nombreux, les Italiens qui abandonnaient leur pays pour chercher en France à la fois du travail et le pain de chaque jour. Parallèlement à l'immigration organisée, les clandestins se présentaient à la frontière en si grand nombre qu'un centre d'accueil avait dû être créé à Montmélian. Là, l'immigrant trouvait pour le préserver des louches combinaisons d'embauche un office qui se chargeait de répartir les travailleurs. Heureuse initiative qui assurait à l'immigrant comme à son employeur une plus exacte sécurité. Le centre de Montmélian a maintenant vécu. Un nouveau projet d'accord est intervenu entre les gouvernements italiens et français qui permettra à 200 000 travailleurs italiens de se rendre en France. Mais Montmélian aura été, dans une période brumeuse, le geste fraternel d'un grand pays à l'égard de ceux que la misère des temps condamne à chercher leur pain dans l'exil.